J'ai fait mes études de médecine en France et puis donc j'ai fait tout le parcours du combattant que chacun connaît pour faire ses études de médecine. Après, il y a les concours d'internat, puis après, il y a la spécialisation. Et à un moment donné, après ces années de bachotage, se pose la question mais à quoi je pense en fait, hein? Qu'est-ce que j'ai dans la tête? Et soudain, l'impression que il y a eu une sorte de formatage de l'esprit qui s'est fait. Et là, soudain, on a un sentiment d'appauvrissement. Alors que j'ai commencé ma pratique comme médecin généraliste d'un côté, puis assez rapidement après comme anesthésiste, pendant cette formation à l'internat, j'en ai profité pour faire je dirais pas une formation, c'est des études de philosophie. Alors attention, hein, ça se résume à l'équivalent d'un bachelor en philosophie. C'est pas du tout suffisant pour se prétendre philosophe, mais c'est vrai que pour moi, ça a été vraiment d'une part une bouée, une véritable ouverture, et c'était une expérience extrêmement intéressante. Il y a un lien très fort avec le réel, avec le concret des choses, et c'est là où ça devient extrêmement riche dans la pratique quotidienne. Alors, je ne peux pas dire que ça a changé une façon d'aborder les choses. Je pense que ça a simplement changé ma perception des choses. Et parce que ça change la perception, alors évidemment, ça change le comportement aussi.